Ah ben voilà, il est 11h. Bonjour les amis. On est le 20 janvier. Jeudi, fin de semaine, ah, presque fin de semaine, on a passé la moitié. Il est clair que on avance, on avance. On répète des exercices et on finit par rassembler tout ça dans un enchaînement. Donc ce matin, j'avais envie de, après un tout petit échauffement, j'avais envie d'apprendre à faire le demi-tour avec les pas. Faire le demi-tour avec les pas, c'est-à-dire, vous êtes dans une direction et vous arrivez à faire 180 degrés de manière harmonieuse et saine, sans perdre l'équilibre, avec un petit mouvement de pied et de talon. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde un petit peu ce matin. Alors, comme échauffement, ce matin, j'ai prévu de vous faire ce qu'on appelle un mouvement avec les bras. Ce mouvement avec les bras s'appelle le poing sous le coude. Et comme son nom l'indique, le poing sous le coude, faut préparer le poing. Puis mis ce matin, il a des petites pensées parasites. C'est normal, comme tous les matins, des petites pensées qui viennent là, qui passent. Hier soir, j'ai eu des petits problèmes de micro, donc je suis en train de me dire, est-ce que le micro fonctionne? Oui, il fonctionne, c'est bon là. Donc, c'est un tout petit exemple pour vous montrer que on ne peut pas rentrer comme ça en se disant, ben voilà, ça y est, je vais faire deux, trois exercices. Non, il faut se concentrer un petit peu, et puis je reprends ce que Caligarde m'avait montré comme exercice. Et celui-là. Rien que. C'est un mélange entre yoga, tai chi, bouddhisme, tout ce que vous voulez. Mais ça permet quand même de se concentrer, de rentrer un petit peu à l'intérieur de soi pour se mettre en condition. On est obligé. C'est ce que je vous dis, je fais ces petites séances, c'est que j'en ai besoin pour moi. Moi aussi, je suis sans arrêt perturbé par des petites pensées. Et c'est tout un travail de mise en route, de rentrer dans sa petite bulle. Prenez vos bras comme ça. Avec le pouce à l'intérieur qui tient. Et tournez un petit peu avec la taille. Essayez de mettre les épaules, je dis bien essayez les épaules contre en bas. Parce que pour finir, on va aller mettre le poing sous le coude. Donc pour mettre le poing sous le coude, il va falloir qu'on libère. Et pour libérer, comment est-ce qu'on fait? Ben c'est une qui monte. Et le poing sous le coude, ça se passe ici avec la main droite.
La main droite, on fait comme on fait le poing, c'est-à-dire on va faire ce qu'on appelle la gueule du tigre, c'est-à-dire fermer les doigts, verrouiller, descendre. J'ai mon épaule qui monte, là, c'est incroyable. On garde la main, et ensuite, une rotation du poignet fait venir le poing sous le coude. Vous avez ici la gueule du tigre, comme on avait déjà vu, n'est-ce pas? Cette partie-là, si vous comprenez, elle vient se mettre parfaitement là. Et quand vous avez cette position, ça vous fait une tension dans chaque épaule, ça vous fait le coude qui doit avoir un joli arrondi. Il ne faut pas que le coude appuie sur la main et il ne faut pas que la main soutienne le coude. C'est ce subtil équilibre. Là encore, on attrape et on revient. Ça y est. On attrape et on revient. C'est ça l'exercice, il est tout simple. Toujours bien garder l'épaule contre le bas. Voilà, là je sens bien la tension, je l'exagère exprès, puisque je l'ai attrapé là. La sensation, elle est bien, voilà. Alors tranquille, ça fait son petit effet hein, de devoir soutenir le coude, de devoir maintenir le poing sous le coude et qu'on puisse faire ce petit mouvement circulaire avec la taille. Le but étant bien sûr de conserver toujours cet espace vital entre le corps et le bras. Et bien sûr, une fois qu'on s'est amusé comme ça, eh bien c'est l'inverse. Donc, la main avance, se verrouille, cette main-là, elle s'ouvre, et on vient faire l'inverse. Le poing sous le coude, main droite dessus, main gauche dessous. Et on garde cet espace. On exerce justement une mobilité, donc un mouvement. Il y a un mouvement qui se crée avec une position qui doit rester fixe. Mentalement, vous devez comprendre que oui, cette position, elle est pas évidente, parce qu'il vous faut vous concentrer sur les deux bras en même temps, qui doivent avoir chacun leur position sans bouger dans le mouvement. Bonjour Fred. Ah. Ça, c'est le poing sous le coude. Ça vous plaît comme... Hein Fred, le poing sous le coude, tu le fais? Tu as vu le poing sous le coude? La main gauche qui part, qui attrape et qui revient se poser dans la gueule du tigre. Évidemment, après, vous pouvez attraper à droite. Vous pouvez changer. Et vous attrapez à gauche.
Ça va, Jacqueline? Qu'est-ce que t'en penses? Deux poings sous le coude? C'est joli à regarder. C'est joli à regarder? Je peux pas faire. Je sais bien. Je le dis aussi beaucoup. Alors voilà, maintenant qu'on l'a vu d'un côté et comme de l'autre, attraper, poser, inverser, attraper, poser, inverser, attraper à droite, poser, inverser, attraper à gauche, revenir, inverser, attraper à droite. Ça y est, on arrive à l'entier du mouvement. Inverser. Attraper. Revenir. Inverser. Attraper. Droite. Revenir. On refait inverser. La main avant descend est remplacée par l'autre main. Attraper à gauche. On sent. On frappe avec le bout des doigts, là, on attrape, et puis ça tourne jusque là, jusque dans la nuque. Mais on aime ça. À droite, et on revient en face. Là aussi, hein, on connaît bien, on fait le check, l'épaule bien en bas. Hein. Bien en bas l'épaule, oui, pas comme ça. Alors, Pimi64 qui écrit, c'est Jacqueline qui dit bonjour. Elle a son téléphone, ça fonctionne ce matin. Elle est dans le chat. Elle est dans le chat. Bien, bien. Donc, on repart. On est juste micro-récapitulatif de ce nouveau mouvement qui s'appelle le poing sous le coude. On lève la main gauche et la main droite vient sous le coude. Lorsque vous l'avez, vous pouvez attraper à droite. Et maintenant en inverse, la main descend est remplacée par l'autre. On part à gauche, on attrape et on revient. Et l'exercice est terminé. On verrouille de nouveau les coudes. Et c'est fini. C'était le poing sous le coude. Alors moi, je vous invite à travailler le poing sous le coude. Parce que ça fait... Oh, ça détend. Un peu d'énergie. Ce matin, ça. Bon, il fait frais hein, ce matin. On est à combien là? On est à combien? 10. Ah ouais, 18 quand même, mais comme dirait l'autre, le fond de l'air est frais. Alors, ça joue le poing sous le coude. Donc, vous avez vu qu'avec n'importe quel mouvement, on peut s'amuser comme des petits fous au Tai Chi. Puis ça, c'est. Il y en a d'autres, hein, je vous rassure, il y en a d'autres. J'en ai encore plein, plein, plein la poche des petits mouvements comme ça. Bon. Donc maintenant, c'est ce que je disais, on a fait le petit échauffement. Et là, on va faire un petit peu les pas. Et on va s'amuser à faire un demi-tour. Non pas comme le gros bœuf, mais avec un peu de classe et un peu d'élégance, le demi-tour. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce demi-tour, je le pratique depuis. Et en fait, quand je fais comme ça, c'est-à-dire que
c'est un mouvement que j'ai intégré dans mon quotidien. Que lorsque je dois prendre quelque chose ici et que je dois prendre quelque chose d'autre de l'autre côté à 180 degrés, ben je vais vous expliquer tout ça. Je vais expliquer ça. Je vais vous montrer, puisque vous avez l'image, je vais vous montrer quelque chose. Ça a commencé le demi-tour, hein. Ça a commencé par une micro-anecdote, toute petite. Il y a une dame un jour, elle s'est cassée le col du fémur, et puis je lui dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, madame? Qu'est-ce que vous avez fait comme accident? Elle me dit, moi, j'ai écouté la radio. Je dis non. Elle me fait oui, écoutez la radio, c'est extrêmement dangereux. J'ai dit mais racontez-moi ce qui vous est arrivé. Je suis là en train d'écouter la radio. Il y a la sonnette de la porte d'entrée qui sonne. Cette dame, elle se tourne pour aller répondre. Donc elle fait 180 degrés. Et tout d'un coup, elle se dit ah. Oh, j'ai oublié la radio, il faut éteindre la radio. Elle a fait un mauvais demi-tour pour éteindre la radio et ça lui a cassé le col du fémur. C'est une personne âgée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un mauvais demi-tour où vous vous tordez complètement, ça peut faire mal. Donc, depuis qu'elle m'a raconté cette histoire, le demi-tour se fait je suis obligé de dire il y a deux. Le premier demi-tour, il faut savoir c'est comment sont ses pas. Est-ce que nous avons les pieds écartés la largeur des épaules ou est-ce que nous sommes dans le pas de l'arc? Donc pour moi, pour que les choses soient le plus simple possible pour vous, on va d'abord partir du pas de l'arc. Le pas de l'arc, vous l'avez là en haut de l'écran. Hein. Là, ça c'est le pas de l'arc. Un pied qui va tout droit et l'autre à 45 degrés. Le demi-tour, il est exercé par ce que vous connaissez bien, c'est-à-dire le transfert du poids d'une jambe à l'autre et de faire tourner les pieds soit sur la pointe, soit sur le talon. Alors, d'abord, il faut avoir D'abord, on plie les genoux pour avoir la mobilité. On doit descendre sur une première jambe. Vous verrez que vous le connaissez, cet exercice, mais là, vous allez comprendre bien mieux. Vous poussez, tournez et descendez sur la... Vous voyez, descendez sur la jambe. Et là, vous tournez l'autre pied sur le talon, le pied gauche sur le talon, le pied droit, pardon, sur le talon, et vous investissez, et vous vous retrouvez ben, à 180 degrés. C'est-à-dire, si quelqu'un se souvient, où est cette figure dans l'enchaînement ? C'est Jacqueline qui a donné la réponse. C'est effectivement la fameuse transition entre lever les mains et la grue blanche ou alors le simple fouet de repousser au simple fouet. Et en fait, bon, maintenant, c'est pour ça que je vous dis le pas de l'arc, il peut être fait, enfin, il doit être fait des deux côtés. Et là aussi, vous pouvez partir de l'autre côté une fois. Deux fois. Voilà, vous comprenez comment ça se passe?
On pousse. On tire. Ce qui explique que lorsqu'on veut prendre quelque chose, là, on descend sur la jambe pour le prendre, on saisit l'objet, là, la souris, on saisit l'objet, et ensuite avec l'objet, hop, 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 et impulsion, et je suis parti de l'autre côté. On recommence. Maintenant, je suis là et je dois reposer la souris 180 degrés. On descend sur la jambe à l'avant, on pousse la pousseille, tournez. Et là, vous pouvez, hop, on va reprendre sur la jambe et vous reposez. Vous avez posé, vous repartez. Impulsion avec la jambe d'appui, demi-tour, et c'est parti. Sens, c'est juste comme ça pour dire que... on peut décomposer les transitions en un mouvement à part entière. C'est pour ça que tout ce petit séquençage de petites choses qu'on apprend, comme se faire ce demi-tour, lorsqu'on va faire la transition depuis lever les mains jusqu'à la grue blanche, on va retrouver ce pas. Après, c'est à vous de savoir dans quel pas vous voulez, entre guillemets, atterrir. Alors, vous pouvez atterrir soit au pas de l'arc, ou alors vous pouvez atterrir, et c'est là où il y a une petite différence. C'est lorsque vous avez ici le premier, non, la poussée et le pied qui tourne. Là, vous avez deux possibilités. Soit vous poussez avec la pointe du pied, ce qui donne une impulsion, et là c'est l'impulsion, c'est l'impulsion où on va orienter le pied d'une autre, dans une autre direction, et là le bassin tourne et on peut le faire. Ça c'est quand on fait avec la pointe du pied, mais on peut aussi le faire avec le talon, c'est-à-dire la poussée. Le talon a tourné, et maintenant, si on veut aller dans la tout droit, c'est là où on peut tourner sur le talon également. La poussée, et voilà, on est de nouveau. C'est là où on n'est pas rigide, donc vous devez décoller. C'est en fonction d'où on doit mettre le pied. Donc, ce que je veux vous expliquer dans cette petite figure des pas, c'est que vous pouvez faire décoller le pied soit avec la pointe du pied, soit vous tournez votre pied sur le talon. Quelle heure est-il ? Oh, c'est les 25, c'est bien. Est-ce qu'il y a un mouvement particulier ? Ah, parce que je vous ai fait deux petits trucs, hein. Récapitulatif du demi-tour avec les pas. Et ça s'appelle comment ça ? Ben, merci pour ceux qui suivent. Le point sur le coude. On va refaire monter le coude en tournant le poignet. Parce que je vous parle de la grue blanche. Ça y est.
Mais oui, vous comprenez, c'est toujours les mêmes principes. On est assis, on tourne la taille de gauche et à droite, et on essaye d'avoir cet espacement. Et ainsi donc, ça fait un arrondi, dit un mouvement circulaire. Et oui. Alors, on était à ici. Le coude bien détendu, l'épaule détendue, le poignet détendu, les doigts détendus. Vraiment, c'est une position à avoir. Et maintenant, je vous le fais, le poignet tourne et on mène dans sa course le bras. Vous voyez, là aussi, profitez de checker le mouvement puisque là, on est à la grue blanche. De nouveau, tension dans l'épaule, c'est normal. Le coude doit être plus ou moins agréable. Donc l'angle du coude. Et la main, le poignet doit, si possible, si possible, regarder en face. Alors, plus vous tournez le poignet, plus vous sentez... Il y a un moment donné où ça doit être bien mis. Voilà. Maintenant, on va changer de main. C'est-à-dire, pour baisser cette main, c'est donc droite, le poignet tourne, gauche, droite. Et on pose sa main tranquille sur le genou. On l'oblique. Maintenant, avec la main gauche, on amène la main devant. On baisse l'épaule, on baisse le coude, on trouve le bon arrondi et on va tourner le poignet. Et le poignet tourne et fait monter le bras. On prend conscience de cette position, de la tension dans l'épaule, de la tension également ici. Gardez bien la courbure du coude et profitez de l'espace. Ça vous dit quelque chose, ça? Vous pouvez profiter de l'espace. Oh, ces épaules, c'est une horreur, ces épaules. Et là, torsion du poignet, et vous voyez passer la main. Et on en arrive où? Et de nouveau pour les connaisseurs. On en arrive de nouveau au fameux nuage. Ça, c'est pour la détente. Ah, il y a de quoi s'amuser, hein. Eh ben, dans le chat, il n'y a pas beaucoup d'eau à mettre au moulin, hein, ce matin. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais faire un petit enchaînement, tranquille. Ou alors, non, je sais ce qu'on va faire. Avec les pas que je viens de faire, hein, on s'applique. Mais...
Voilà, on va prendre le pas de l'arc, hein. On prend le pas de l'arc. On va donc faire le pas suivant, venir ici pour se mettre dans l'angle, c'est-à-dire 45 degrés, ici à 45 degrés. Investissez la jambe, le pied, faites tourner sur le talon, enfin faites décoller le talon et tourner sur la pointe, ramenez le pied, et là, au lieu de faire, pour pointer, et au lieu de faire comme ceci, pour faire le pas du tai chi, vous allez ici venir là et ici vous tournez, vous levez la pointe des pieds vers le ciel et c'est ça le mouvement que je veux voir avec vous. On va le mettre comme ceci. Croisez les bras, poussez à l'intérieur. Alors, non, il n'y a pas d'importance. Simplement. Mais oui, merci Jeanne. Merci Jeanne pour l'eau au moulin. Alors non, il n'y a pas d'importance. Tu le mets comme tu veux. Ou comme ça. Ou comme ça. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de savoir que celui-ci va venir là. Et que dans le sens inverse, c'est ça le secret. Quand je dis que ça n'a pas d'importance, que tu le mettes comme ça ou comme ça, puisque chaque mouvement prépare le suivant, merci Jeanne de dire ok, puisque chaque mouvement prépare le suivant, si tu le mets comme ça, c'est que c'est là que ça va aller sous le coude. Et si tu le mets comme ça, forcément, c'est là que ça va aller sous le coude. Donc en fait, au moment où tu vas mettre tes bras, soit comme ça, c'est là où tu vas savoir de quel côté très bien. Moi, c'était ça l'histoire des pas que je voulais voir ce matin avec vous, parce que c'est un truc. C'est juste ce petit déclic que vous pouvez avoir. On va le chercher ensemble, ce petit déclic. Poussez avec la jambe, tournez, posez le pied à 45 degrés, investir, tournez avec le bassin pour décoller le talon, revenir ici, et là, vous êtes sur la montée pour faire revenir le pied. Et au lieu de... Maintenant, vous levez le pied, les orteils vers le ciel. Vous tournez le pied. Et regardez. Il y a comme un mouvement qui se fait avec le bassin quand vous tournez. Quand vous tournez... On va faire comme ça pour qu'on puisse voir un petit peu le bassin. On amène le pied et lorsqu'on monte, là on est en montée, et ensuite c'est ce mouvement-là que vous devez comprendre, c'est en descendant, vous posez le coin du talon. Et cette position-là, elle peut paraître... Bonjour Ted, cette position peut paraître inconfortable, mais elle est, comme elle est dans un mouvement continu, le bassin tourne, on investit le pied, le genou se retrouve direction le pied, et là encore une fois,
Si vous voulez faire le pas de l'arc, vous faites le pas de l'arc. Et si vous voulez, ici, vous pointez et vous faites la même chose avec le pied gauche. Hop, hop, posé à 45 degrés. Et là, la poussée. Hop. Ça, ça c'est des pas que j'aime bien faire, parce que justement on peut, après c'est vous qui décidez où c'est que vous, dans quelle direction vous voulez aller. Là par exemple je vais tout droit, ou là. Je repars pour attraper de l'autre côté. Oh, ils sont tapés, ces Chinois. Hein. Ils sont tapés. Et dis-moi le top, tu as vu le point sous le coude? Nouvelle figure pour aujourd'hui. Le point sous le coude. Vous l'avez fait, le point sous le coude? Ah, elle est inspirante, hein, la musique, hein, c'est calme. Alors après, là, on, directement, là, je suis au pas de, je suis au pas de l'arc, là. Et, maintenant que je suis bien chaud, là, derrière, les muscles sont chauds, j'ai décoincé le bassin, j'ai réussi à remotiver mes genoux, je suis prêt à faire ma journée. Hein, au pas de l'arc, tout simplement au pas de l'arc, on s'amuse à pousser, tourner, revenir, pousser, tourner, revenir. En fait, dans ce jeu-là, il faut faire attention toujours aux genoux qui vont dans la direction du pied. Là, vous avez donc le genou qui part dans cette direction du pied droit. Et lorsque vous changez la position, vous devez descendre. On a vu ça. C'est un exercice classique. Il n'y a rien de nouveau. Toujours attention à ce genou-là. On remet et on descend. Et maintenant, on réexerce le pas. Un petit 45 degrés, on investit, le pied vient, décolle, pose sur le talon, on investit, ça tourne, et vous avez fait votre pas. Vous avez fait votre pas, récapitulatif du demi-tour, vous avez fait votre pas, vous poussez avec la jambe droite, ça décolle sur le talon, vous tournez, tournez, là vous décidez de tourner le talon, sur le talon, vous dirigez votre pied à 45 degrés, puisque en descendant, vous allez vous retrouver dans le pas de l'arc. Moi je peux que vous conseiller de revoir un peu le début de cette petite capsule pour les demi-tours. Qu'est-ce que ça vous dit? On retravaille de nouveau le point sous le coude? Vous l'avez pas bien? Moi, je veux qu'on le travaille bien, celui-là. D'ailleurs, ah oui, c'est ça que je voulais faire. Je voulais vous montrer. Alors après, je voulais vous montrer
l'exercice, enfin, la figure du poing sur le coude dans l'enchaînement. C'est pas que vous devez le faire ou quoi que ce soit, parce que c'est dans le deuxième cycle, mais j'ai repris ça. Et je veux quand même vous montrer la complexité du poing sous le coude dans la complexité du poing sous le coude qui est que lorsque vous devez partir aller chercher quelque chose en bas. Alors, on va faire comme ça. Il faut que je trouve la bonne... En fait, est-ce qu'on peut reculer encore un peu ? Voilà. En fait, le but est d'aller chercher quelque chose en bas. Oui, mais vraiment. Le pied, on vient chercher quelque chose en bas, par terre. Là, c'est plus champignon, là. On va chercher quelque chose dans la terre. Et puis, vous avez une poussée forte qui remonte. Et là, vous devez faire, avec la poussée forte à l'arrivée, vous avez la bascule. Hop. Et c'est lorsque vous faites la bascule que, hop, vous avez le poing sous le coude. Donc, en fait, vous devez aller chercher quelque chose en bas. Et une fois que vous avez pris quelque chose, la poussée, ça met le talon juste et la bascule pour avoir le poing sous le coude. Non, non, ça c'est... Voilà, c'était pour vous montrer que ça, c'est d'autres exercices. Levons le coude. Bien, alors, du poing sous le coude, on va frapper le tigre à gauche, puis frapper le tigre à droite. Très bon enchaînement. Merci pour lever le coude, ça fait du bien. Ok. Frapper le tigre à gauche. Ça veut dire, quelle heure est-il ? Vous vous souvenez ? Quelle heure est-il ? Exercice commence. Quelle heure est-il ? Hop ! Tu regardes tu regardes ta montre, mais bien sûr, tu auras fait le point. Et verrouillé le pouce. On recommence. Lorsque vous montez, vous préparez le point et vous regardez quelle heure est-il. Voilà. Vous baissez bien l'épaule, il faut baisser l'épaule. Il ne faut pas être comme ça parce qu'on doit toujours voir ce qui se passe. Hein. Et puis, pas comme ça. Toujours le fameux écart que je vous apprends à faire. Là aussi, c'est la rotation du poignet hein, qui fait la tension dans l'épaule. Pas de tension, tension. Pas de tension dans l'épaule, tension dans l'épaule. Ensuite, maintenant, on prend le bras droit. C'est celle qui n'a pas la montre. Puis comme elle n'a pas la montre, bon, on la met dessous. Hein. Vous voyez ? Comme je vous l'avais expliqué, moi, là, c'est mon omoplate. Enfin, j'ai eu un accident de moto, là, et mon épaule, là, ce qui fait que je peux pas aller à fond, là. Là, je suis à donf, là, je suis au maximum. Alors, vous inquiétez pas. Vous vous souvenez, je vous avais montré. La preuve de ce que je raconte. Enfin, la preuve. Explication par l'exemple. Là, je me gratte. Tu vois, là, je me gratte la nuque. Là, je vais me gratter la nuque avec la main droite. Tu rigoles. C'est coincé. Tu peux appuyer, là. Je ne peux rien faire. C'est coincé. Donc, en ayant cette restriction ici, forcément, quand je veux frapper le tigre à gauche... Ça y est. Reprenons. Soyons sérieux. Soyons sérieux, là. Oh, quelle heure est-il? Moi, j'ai pas la montre.
à partir de là, on baisse les coudes, on baisse les mains, et puis celle qui n'a pas la montre, eh ben, elle veut te montrer qu'elle n'a pas la montre. C'est pas ? Ça, c'est le pire. Hein. Celui d'en bas, il est horrible. De nouveau, on contrôle la position, on baisse les épaules et on baisse les coudes. Et les bras reviennent. Donc, on l'a fait une fois à gauche, une fois à droite. On garde bien les poings. Hein. Vous gardez bien les poings, comme ceci. Et on va frapper les oreilles. Frapper les oreilles, c'est les deux poings qui viennent et qui font comme ça. De nouveau, baisser les coudes, baisser les épaules. Voilà, on est juste. C'est ce simple exercice que je vous propose de faire. C'est-à-dire, monter et là, frapper les oreilles, baisser les épaules, baisser les coudes, frapper le tibia gauche, quelle heure est-il ? On a frappé le tibia gauche, la main droite veut montrer qu'elle existe. On fait l'inverse. Baisser les épaules, baisser les coudes. Et maintenant, ouverture de la main gauche, une main avance, l'autre recule. Oh. Ça va comme ça. Et ensuite, ce qu'on a vu hier. Par en haut. Par en haut. Par en bas. Par en bas. Oh ! Ah bah dis donc ! On n'aura pas eu le temps pour l'enchaînement, mais. Mes amis, il est 11h47. Bah demain, c'est promis, demain on fait l'enchaînement. À vos post-it, etc. Demain, c'est l'enchaînement. Merci pour votre participation ce matin, c'était bien sympa. On était plus d'une dizaine. Belle performance, franchement, je suis très content. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, un bon appétit, et puis à tout à l'heure. Allez, Jacqueline et moi, on vous embrasse.